Une bonne fois pour toutes, que s'est-il réellement passé avec toi et Madison Beer? Puisque c'était une longue relation et que les gens sont curieux as fuck, quelle est la raison de la fin de ta dernière relation? Es-tu déjà allé sur une date avec une célébrité? Si oui, on veut des noms. Quand je dis date, ça peut être un one night aussi. Austin Mahone. What? C'est vrai? Une date-date, genre, ou genre c'est une affaire dans le date pis plus. Je suis confortable à dire que je suis bi, bisexuelle. Okay. Je suis des deux côtés. Claudia, tu es en couple. Pourquoi as-tu retiré toutes tes photos et TikTok avec ton copain Tim? Tu fais déjà? J'ai fait mon sextape avec mon ex. Quelques années plus tard, je fréquentais un gars. Pis ce gars-là, il a hacké tes affaires. Ouais. Parce qu'il a pogné ton sang. Ouais. Comment était ta relation avec Jack Johnson de Jack and Jack? Wow, on va fermer cette question-là. Es-tu toujours sur OnlyFans? Si oui, quel genre de contenu est-ce que tu y publies? Ouais, donc j'ai OnlyFans et Playboy. Jingle bell. Bienvenue sur ma chaîne et cette semaine j'ai une invitée très spéciale, une influenceuse, une sex symbole, Claudia Thiant! Salut! Comment ça va? Ça va toi? Ça va super bien, je suis vraiment contente de t'avoir ici, ma chum. Merci. My god! C'est ma première fois que je fais un Q&A. Ah ouais? Ever? Ben j'en fais sur Instagram, mais comme... Un Q&A que t'as pas le contrôle, genre? Non, c'est ça. Fait qu'on va en apprendre aujourd'hui. Ouais. Mais c'est ça, je trouvais ça intéressant de... Parce que moi, j'ai rencontré Claudia la semaine passée dans un voyage à Miami. On se connaissait pas du tout avant, fait qu'on est comme des new friends. Ouais. Tu sais, je te voyais sur Instagram, tu dégages une certaine image, puis tout ça, parce que quand on te voit en vrai, t'es un peu la même personne, mais comme, c'est intéressant de voir que t'es plus que juste une photo, en maillot, puis tout. Puis pour vrai, c'est une effet qui me fait le plus rire ever. Hilarant. Fait que j'étais comme, ok, toi, il faut absolument que tu viennes boire du vin sur ma chaîne YouTube. Pas le choix, faut qu'on monte son monde. Je bois du vin bleu aujourd'hui. Ouais, qu'est-ce que tu bois en fait, hein? C'est du Beach Day Everyday pis de la Pink With Me. Pink Lemonade Vodka. Fait que c'est de la vodka rose. Vodka 30% avec une petite Beach Day Everyday. Non, fait qu'avoir le diabète à soi en esti là. Few moments later. Cheers, merci d'être là pour vrai. Merci à toi, plaisir. Mais là, comment tu te sens par rapport aux questions de tes abonnés? Est-ce que tu réponds pas à toutes les questions quand t'as des Q&A, là, t'es choisi? Non, je réponds rarement. J'ai choisi vraiment sélectivement. Je suis pas stressée, je suis quand même très ouverte dans la vie, donc... En split, ça t'aime! C'est ça, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de mêmes questions qui revenaient. Je pense que les gens sont vraiment curieux de certains sujets que tu dois jamais répondre puis que ça fait longtemps que j'ai pas fait un Q&A aussi sur mon Instagram, donc... En fait, aujourd'hui, on fait un truth or drink, ok? Donc, ça dit truth or drink. T'as des questions ici, en fait, crunchy, juicy de tes followers sur Instagram. T'en avais des thirsty en tabarnak. Les gens, ils ont soif. Les gens qui te suivent, là, on comprend qu'ils te suivent pour ta belle face et ton beau corps. Si tu veux pas répondre, tu bois une gorgée de ton verre, on n'en parle plus, je t'achale plus. Si tu veux répondre, tu réponds. Si tu veux boire puis répondre, tu peux boire puis répondre. Okay, tu peux boire quand tu veux, honnêtement. Là. Parce que plus tu bois, plus ça va être facile d'aller chercher les petits verres du nez, tu sais. Hop! J'ai l'impression que j'ai même pas besoin de boire, puis quand j'étais avec toi, je suis sûre parce que je ris tellement que ça l'envoie. Ouais, non, sérieux, nous deux ensemble, là. Première fois qu'on s'est rencontrés, on est sortis, genre, ensemble les deux, au Liv, qui est un bar à Miami, puis on s'est retrouvés dans un DJ booth, genre, avec une fille en talons, puis moi, genre, puis on buvait dans des bouteilles de tequila. Est-ce qu'on riait, là? On était couchés à terre sur l'asphalte. Oh my god. Fait que ça a bien commencé notre amitié, mettons. C'est vrai qu'ensemble, on est quand même pas besoin d'alcool. Non. Ça va être toujours quand même. Notre pipi, c'est notre alcool. What? Notre pipi, c'est notre alcool. Ouais, on le dégage. Ah. On l'a tout le temps. C'est ça. Voilà. J'ai sorti le pipi pad justement, je te l'ai mis là. Merci. Ça, c'est la petite cloche sonnée pour du vin. Fait que quand t'es dû pour un refill, tu sonnes là-dessus. Puis moi, je te fais un refill de tes trucs. Est-ce que je peux sonner pour un shot? What? Tu veux un shot? Ouais. No. Two moments later. Fait que t'es-tu prête? Ouais, tu me le dis. Ta-na-na-na-na. Je vais me préparer. Ouais. Donc, première question. As-tu déjà eu recours à des chirurgies esthétiques? Il y a vraiment beaucoup de monde qui demandait ça. Ouais. J'aime pas ça demander ça, mais... Je trouve ça dommage parce que, obviously, étant sur les réseaux sociaux, influenceuse, j'ai beaucoup de trucs gratuitement.
dont mes injections aux lèvres. Puis à cause que je me suis ouvert, que je me suis fait faire les lèvres, le monde directement assume que tu t'es fait faire d'autres affaires. Okay. Puis même si tu dis non, le monde a leur opinion puis ils connaissent mon corps mieux que moi. Mais non, je n'ai pas de chirurgie, j'ai jamais été sous le couteau, j'ai juste mes lèvres de refaite puis du botox sur le front. Pour accentuer ta beauté naturelle. Exactement. Ce qui est très correct d'ailleurs. C'est ça. Non, mais c'est vraiment triste parce que ma meilleure amie, elle est péruvienne. Puis elle a les lèvres naturellement vraiment grosses. Personne n'accroît. Le monde, on vit dans une génération que tout le monde a de quoi maintenant. Mais il y a encore du monde qui en a pas. Puis c'est juste. Ça existe. Ouais. She's a natural beauty. Puis on va se le dire, elle est belle en tabarnak. Honnêtement, j'en ai quand même répondu souvent à propos de ça. Puis le monde qui ont été là vraiment depuis que j'ai 16 ans ont vu mon évolution. Puis j'ai 26 ans maintenant, je vais plus avoir le corps d'enfant que j'avais avant. Puis obviously, je prends la pilule contre birth control pill. Ouais. Je sais pas si ça l'a juste donné qu'en même temps, je me suis mis dessus. J'avais 23, puis là, j'ai peut-être une poussée. Ok. De mes filles. Ouais, ok. Fait que t'as pas toujours été curvy, là, genre. Oh, mes fesses, j'ai toujours eu mes fesses. J'ai fait du sport beaucoup au secondaire, j'ai dansé pendant 15 ans, donc j'ai vraiment tout le temps été. Avec quel genre ta danse? Un peu de tout, j'ai essayé ballet, ballet point, jazz. Ah, ouais, ouais. Hein, moi aussi j'ai fait de la danse pas longtemps, je faisais du break dance. On est là, ça tape. Attends! Check mes moves! Deux minutes! C'est quoi ton move fétiche? Mon move fétiche? Sur un poteau. C'est ça, j'ai vu aujourd'hui t'as fait un cours de pole dance. Faudrait aller ensemble. Voulez-vous voir Rémi qui fait du pole dance? Ça serait ça. Pas un shooter drink, mais. Ça serait malaisant, autant malaisant qu'un shooter drink, je dire. Puisque c'était une longue relation et que les gens sont curieux as fuck, quelle est la raison de la fin de ta dernière relation? Honnêtement, il n'y a vraiment pas de thé. À dire ce sujet-là. De tea. J'ai l'impression que toutes les relations maintenant, on s'entend tout le temps qu'il y a une rupture vraiment dramatique. Ouais, que quelqu'un t'a trompé, menti, nanana. On s'est toujours couru après depuis que j'avais 18 ans. Mm. Puis on a vraiment juste un peu fall apart. Ouais. Tu as été combien de temps avec exactement? 5 ans. 5 ans. Ouais, je pense que c'était l'amour de ma vie, mais j'ai encore beaucoup d'amour pour lui. Ben ouais, c'est ça. Vous êtes en bon terme du tout, là. Ouais, c'est ça. Mais je pourrais aussi prendre comme une gorgée parce qu'il y avait ici, il y a du non-dit que je peux dire parce que par respect pour ben moi. Oui, ben oui, je m'en attendais. Cheers! Je vois toujours avec toi les choses à savoir. Ça laisse pas beau de ça. Few moments later. Il m'a pas bien doigté, l'anus. Il était pas coupé d'ongles depuis un mois, puis moi, un boudon cassé dans le rectum. Non. Ce n'est pas ce que je veux. Quel est, selon toi, ton pire défaut de personnalité et ta meilleure qualité? Attends, pire défaut de ma personnalité? Ouais. Non, c'est pas physique. Ok, toute personnalité. C'est toute personnalité. On parle assez de ton physique sur Instagram aujourd'hui, mais on parle de ta personnalité. Je dirais que je suis vraiment people pleaser, donc je dois vraiment travailler sur ça. Je me crée beaucoup d'anxiété à cause de ça, puis... Ah, ok. Moi, ouais, je me mets beaucoup de pression à tout le temps. Essayer de plaire être accessible à tout le monde, plaire à tout le monde. Si quelqu'un a besoin de moi, je vais essayer d'être une pieuvre. Ouais, puis après ça, je m'assois chez nous puis je suis comme pouf. Je suis genre, personne, ben je vais pas dire personne fait ça pour moi, mais comme pas beaucoup de monde fait ça pour moi. C'est comme je donne tellement trop, j'essaie tout le temps de satisfaire tout le monde que des fois, je suis juste comme, c'est correct de te satisfaire. Puis de ben oui, exact, c'est ça. Toi aussi, il faut que tu te plaises. Hein, si tu veux plaire à tout le monde, mais toi, tu t'écoutes jamais puis tu te plaises jamais. T'sais. Non. Fait que ça, c'est une bonne affaire à travailler. Moi, t'as aidé, moi. Ouais. Puis qualité, ouf, je dirais que j'en ai plusieurs. Wow! Excusez-la. Désolée. Quelle chance parfaite. J'en ai 10, je suis plus capable de... Non mais genre, la chose que toi tu trouves que c'est ta meilleure qualité ou que tes amis te le disent souvent, puis t'es comment c'est vrai? Mes amis me disent souvent que je suis attentionnée, patiente. Patiente, gentille, drôle, je commence. On veut rire un peu, raconte-nous ta pire histoire de date ou celle qui te vient en tête. Ouf, j'ai pas beaucoup été en date dans ma vie avec des personnes qui étaient pas mon chum. Genre une pire histoire avec un gars, genre un enfant qui est arrivé pis t'étais que... que t'as content tes chums de filles, genre. Mais c'était pas une date, c'est vraiment dégueulasse. On veut savoir. On veut savoir. J'étais à un party, je me sentais cocasse, donc... Coquine. J'ai remonté à la chambre avec un gars pour faire... Pour jouer à Uno.
pour rejoindre maman, papa. Puis, puis il a baissé ses pantalons, puis ça puait. Non. Tellement. Je me suis juste relevée, j'étais comme, je peux pas. Mais j'espère. Je suis désolée. Puis en ce jour, on se parle. Mais j'espère. C'était vraiment trop petit. Ah. Qui veut du parmesan dans son spaghetti? Non, mais c'est pas moi, j'aime ça, mais pas. Ça fait quoi? Ouais. C'est un bat qui pue, tu mets pas ça dans ta bouche. Non, 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 on peut pas. C'est éducatif comme vidéo. Elle me conseille, il passe. Mais oui, t'as fait le corps. Ah oui! Retournons aux chirurgies cosmétiques, j'ai des facettes. What? Juste disclaimer. Fait que t'as plus tes vrais dents à étendre, t'as ça. Non, parce que là, il y a veneers puis il y a facettes, mais il y en a une qu'il te rase, il t'aiguise vraiment la dent. Il te rase la pinche puis il te colle les dents dans le milieu. Il t'aiguise la dent vraiment comme mini en pointe de requin. Puis là, les facettes, c'est juste, il va t'aiguiser une petite couche pour amincir ta dent, mais pas la raccourcir. Ah, ok. Es-tu déjà allé à l'université ou au cégep où tu as directement fait des réseaux sociaux ta carrière? Ça, pas beaucoup de monde savent ça en fait. J'ai pas gradué le secondaire. What? J'ai lâché en secondaire 5. Non! Ouais. T'as pas ton diplôme d'études secondaires? Non. Donc, je suis pas un petit peu conne à vos yeux, mais regardez, je suis rendue. Bon, prochaine question. Prochaine question, c'est du bon thé là. Ça, c'est du thé. Le thé est chaud. Le thé est chaud. Il est bouillant. Il est bouillant. Oh, il est bouillant. Claudia, tu es en couple. Pourquoi as-tu retiré toutes tes photos et TikTok avec ton copain Tim? Tu devais déjà? Oui. Bon, oui, je suis en couple. Mais c'est le slang private but not a secret. Donc, on garde ça privé. C'est nouveau pour moi parce que j'ai toujours été vraiment publique avec toutes sortes de relations, amis, couples. Mais, ouais, on décide d'essayer de garder ça plus privé. Comme. Ok. Je vais quand même le montrer, comme on va voir un gars, mais pas nécessairement son visage. Ça, mais les gens, ils savent c'est qui, là. Ouais, parce qu'au début, ça a commencé public. Donc, je comprends pourquoi que le monde me pose des questions, pourquoi que maintenant. Mais tu veux pas dire pourquoi. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, la raison pourquoi on a décidé de donner privé. Je vais voir. Ouais, c'est Few moments later. Sonne avec tes Joe! Sonne avec tes Joe! T'es pas game! Ça l'a juste fait un ding! Jingle bell, jingle bell, jingle bell! Fait que, vu que tu as réussi le défi incroyable, pour les gens qui nous regardent, merci. Merci. Nous allons prendre un shooter. Santé! Dégasse! Ça va la limonade rose? Pour les petites. Pour les petites popounes cet été! Si t'étais une petite popoune, tu sais quoi? Pink Whitney passe comme de l'eau. Guys, je suis dead. Pour les petites popounes cet été, Pink Whitney va se faire aller. Il y a plusieurs femmes qui semblent intéressées et qui se demandent pourquoi j'ai eu genre au moins 30 fois cette question-là. As-tu déjà eu des expériences sexuelles avec des femmes? Quelle est ton orientation sexuelle? Moi, j'aime pas ça demander des orientations sexuelles parce que je fais partie de la communauté LGBTQ et ça se demande pas. Ouais. But, je peux te demander, as-tu déjà fait de quoi avec des filles? T'es-tu ouverte? Comment tu te situes là-dedans? Donc, t'es à l'aise. Je suis confortable à dire que je suis bisexuelle. Donc, je suis des deux côtés. C'est drôle parce que mon premier bisou, premier intérêt, premier touche pipi caca, c'était avec une fille. Caca? J'ai mangé son caca. C'est vrai. Jesus Christ! Comme je trouvais des gars cute à l'école, mais elle, il y avait de quoi que j'étais comme. Oh. J'entends deux filles qui se touchent à sa table et j'ai vomi dans ma gueule. Donc, ouais, puis après ça, je vais pas nommer le nom, mais j'ai couché avec une fille dans ma vie. Puis ça s'est vraiment fait. Qui ça? J'ai des questions là-dedans par rapport à elle, je pense. Année, mais je me verrais en couple avec une femme. Oh! Ouais, mais il faudrait vraiment que je ressente ce que j'ai ressenti avec la fille avec qui j'ai couché parce que, tu sais, j'ai embrassé beaucoup de filles, puis c'était nice, mais j'ai jamais comme
ressenti ce que j'avais ressenti avec la personne avec qui j'ai couché. Hey, cheers to that! On est dans la même communauté, toi, Charles. Yes! Es-tu déjà allé sur une date avec une célébrité? Si oui, on veut des noms. Quand je dis date, ça peut être un one night aussi, là. Ah ouais, il parle même pas français, là. Ah ouais? Je te l'ai dit! Faut que tu sois à l'aise. C'est pas à l'aise, on voit. Austin Mahone. C'est vrai? Une date-date, genre, ou genre c'est une affaire dans le date tout? Pis plus. Let's go! Oh, je suis jalouse. Oh mon dieu, j'en ai d'autres, mais... Juste un pour rester à Star Mass, puis hors caméra, je veux les détails. Few moments later. Tu commences à chanter ça. Non. Puis quand il m'a embrassé, il était genre. Puis là, il rentrait, ça rentre tellement profond. Ok, bah, c'est l'histoire. Quand il voulait aller pas l'envoyer chier après ça. C'est pas de sa faute là. Parce que l'affaire c'est que je l'ai rencontré la première fois, il m'a invité chez eux, on est allé manger nanana. Il m'a embrassé. Il embrassait tellement mal, il m'étouffait que j'ai fait une excuse que mon ami avait besoin de moi puis je devais partir. What? Je suis partie, puis deux ans après on s'est recroisés, puis là j'étais comme bon, peut-être qu'il s'est mieux embrassé maintenant. C'est remplacé, il embrassait encore comme un cul, mais j'étais vraiment horny. A girl has to do what she has to do. J'ai couché avec, puis je suis partie, puis c'est tout. Wow! J'ai vraiment fait mal. Je suis pas fuck girl dans la vie, mais à ce moment-là, j'avais des besoins à combler. On a toutes des phases, ok? Après 3-4 tequila shots, là. You gotta do what you gotta do! Je n'avais même pas de tequila shots. Arrête, j'essaie de te sauver. Après 3-4 tequila shots, you gotta do what you gotta do! Ouais, mais merci pour cette tea, même, hein? C'est sûr que t'as jamais dit ça avant. Non, personne dit si vraiment du groupie. Ouais. Même mes amis, ils savent, mais... Raconte-nous une anecdote crunchy sur Coachella 2022 avec Ellie. Je peux vraiment... Ah ouais? Ouais. Aucune c'est anecdote qui se compte. C'est vraiment crunchy, je peux le faire. Crunchy? Squinty! C'est Quincy! C'est Quincy! Ah ouais? Ouais. Parlant d'Ellie, là, comment vous vous êtes rencontrés? Ça fait longtemps d'être amis, là. Moi et Ellie, on a vraiment une longue, drôle histoire. J'allais au secondaire avec un gars, puis ce gars-là, il m'aimait. Puis éventuellement, il s'est mis en couple avec elle. Puis là, elle a commenté tout le temps son nom sous mes photos. Puis j'étais genre, qu'est-ce qu'il y a eux? Genre, qu'est-ce qu'ils se disent? Est-ce qu'ils, genre, talk shit sur moi dans mon dos? Bref, ils se sont laissés. Puis elle m'a écrit, t'es comme hey nanana, puis j'étais comme ça serait nice qu'on fasse un voyage ensemble. What? Puis t'es comme ah, oh, tu serais-tu temps d'aller à Miami? Puis j'étais comme ouais, éventuellement. C'est Miami notre premier voyage? Ouais. Puis elle m'a dit, on part ce soir. Puis j'étais comme ok. Go! Elle dit juste 200$ pour le gaz, mais on s'arrangera. C'est tellement nice que vous entendez aussi bien. C'est tellement nice que vous entendez aussi bien depuis aussi longtemps, puis ça a parti dans une affaire random. Ça aurait pu être un fucking car crash, cette histoire-là. Puis c'est fou parce que, tu sais, c'était, on est parti de Montréal à Miami, on a conduit, c'était 24 heures de route. On n'avait pas de LTE dans le temps, sans une fois qu'on passe les États-Unis. Donc on a vraiment eu du temps pour se parler, apprendre à se connaître. Bonne chance, en fond. Puis c'est là que les deux, on s'est fait notre premier tatou. Puis c'était une vague, parce qu'on était au bord de la mer. Tellement cute! Puis je tiens à dire que mon premier voyage avec vous, c'était à Miami aussi. Moi, c'est passée. On connecte. Yeah! Parce que les trois, on fait un petit projet secret qu'on peut pas trop parler, mais que tout le monde sait un peu. Allez voir sur xxx.com. Yeah! Un arbre. Ok, j'ai eu cette question-là, j'ai aucune idée c'est qui cette personne, mais je me suis dit, faut que je la pose. Comment était ta relation avec Jack Johnson de Jack and Jack? Oh my god! Wow! On va ramener cette question-là. C'est qui Jack Johnson de Jack and Jack? Ghost from the past. Dans le fond, Madison, elle a la sortie avec Jack. Ok, qui est lui. Puis ce Jack-là, son meilleur ami s'appelle Jack aussi. Puis eux ensemble s'appelaient Jack and Jack. Puis faisaient de la musique ensemble. Oh, donc mon elle envoyait Dieu. Un Jack, moi j'avais un autre Jack. Vous étiez des bons Jack. On était des bons Jack. Ah, en tout cas, honnêtement, ma relation avec Jack est magnifique. Pourquoi vous êtes plus? On sait. On a essayé d'être ensemble. Puis il a fait des trucs pas nécessairement corrects, mais oups. Je le pardonne. On était vraiment pas vraiment jeune, mais c'est aussi j'avais quoi, 19, 20. Ah, ok, ça fait longtemps. J'étais juste comme, je sais pas, long distance, ça va être comment, surtout parce que je venais de sortir d'une relation de longue distance avec un gars de Miami. À chaque fois que je te revois, c'est vraiment bizarre. C'est le genre de personne qui est comme, tu sens la connexion, c'est vraiment fort l'énergie.
mais comme ça se passerait plus. Comment as-tu rencontré ton nouveau chum, Tim? Dans ma vie, je suis une fille qui fonce quand elle sait qu'est-ce qu'elle veut. Je suis vraiment... j'attaque. J'ai l'impression que j'intimide beaucoup des gars puis j'aime ça. Je suis en boue! Un peu le jeu de chasse et chien, comme la fille à la chasse. Le chat et la souris, là. Chasse et chien. Je veux dire chat et chien, mais T'aimes pas ça dans le jeu de séduction exagéré de comme il veut dire. Non, puis admettons, genre, oh, faut que j'attende qu'il lui me texte en premier, faut pas que je double texte. Comme en 2023, j'ai 26 ans, j'ai pas le temps à perdre. Comme j'ai besoin de savoir c'est quoi tes intentions maintenant. Elle dit salut, ça va, elle fait une split. Ouais. Bonjour, voici qu'est-ce que je peux faire au lit. Mais non, c'est ça, je m'en allais à Barcelone, puis je recherchais des amis qui étaient à Barcelone parce que j'allais être là pendant un mois pour le travail, puis j'avais juste écrit Barcelone sur Instagram, puis son Instagram à lui avait apparu sur ma page d'actualité parce que ça disait Barcelone comme localisation. Ok. Donc je l'ai DM, j'étais juste genre « Hey, je viens à Barcelone pendant un mois pour le travail. » Mais tu trouvais cute déjà un peu, tu savais c'était qui puis toi, genre. Il était cute, mais je me voyais pas en couple avec, il avait l'air jeune, un peu trop jeune pour moi, donc là j'étais comme... Si t'es dans d'aller prendre un verre ou aller manger. Fait que c'est toi qui as fait tes premiers pas. Ouais. Ah. Ouais, puis moi, il m'a répondu genre 5 jours plus tard, puis il était comme, oh, je suis plus à Barcelone, j'étais là pour l'école, j'étais en train de faire la tournée des États-Unis, puis j'étais comme, bon, c'est pas grave, comme, on risque de se rencontrer, je vois qu'on est un peu dans le même domaine, mais à ce moment-là, je savais pas qu'est-ce qu'il faisait sur TikTok, je l'avais juste rencontré. Tu sais, juste son Instagram pour faire, puis il y avait genre 500 000 abonnés à ce moment-là. Okay. Puis un mois et demi plus tard, je vais à Miami, puis il réapparaît sur ma page Instagram. Tu vas souvent à Miami, là. Fait que c'est à Miami que tu l'as rencontré. Moi, je suis retournée, je l'ai revu sur ma page d'actualité, puis là, j'étais comme, oh, laisse-moi voir qu'est-ce qu'il fait. Cliquer sur son story truc, puis il était à Miami. Je m'en viens pompette. Puis il répondait à sa story, puis j'étais, oh my god, j'étais à Miami aussi, puis t'es comment on devrait se voir. Puis là, il a essayé de faire deux plans, j'ai ditché les deux plans. Moi, je chasse, mais après ça, j'ai ditché. Ouais, ouais, c'est ça. Puis là, après ça, il était comme, bon, ben c'est ma dernière soirée, je pars demain, ça serait la seule soirée qu'on peut se voir. Puis moi, je restais à Fort Lauderdale avec mes amis, c'est genre 45 minutes de Miami. Ouais, ça c'est bien. Puis là, j'étais comme, ok, ben venez ici, nous, on sort ce soir. Puis là, il m'avait écrit, ok. Fait que tu l'as rencontré la première fois avec plein de monde, genre. Une amie. Ah, ok. Ouais. Puis là, ça faisait, il était à 5 minutes du bord, puis il était comme, oh, on est bientôt là, puis là, j'avais réellement mis, puis j'étais comme, on a encore le temps de ditch si on veut ditch. Puis j'étais comme, mais non, plus dire, genre, vas-y. Fait que t'as failli ditch ton chum! Ouais! Tu vois, la vie est bien faite, elle a pas ditch, puis maintenant, regardez. Hey, cheers! À ta relation pour bien ton meilleur. Qui sont? Oh! That's the tea, Claudia! Oh qui sont les influenceurs du Québec les plus fake, two-faced, selon toi? Pour vrai? Ouais, ouais, j'ai rien vu. Elle est trop fine. Ouais. Few moments later. La question qui tue, la question pourquoi je suis pas mal sûr que le 3 quarts des gens ont cliqué. Une bonne fois pour toutes, que s'est-il réellement passé avec toi et Madison Beer? On est que des amis. Ah, quoi? Des meilleurs amis. Best friend. Très bonne. Inquiète pas, on ne viendra jamais aussi proche moi que toi. Jamais. Guigui en passe. Mais je vais rebondir sur la question-là, t'es pas obligé de répondre. Ouais. Êtes-vous encore amis ou vous êtes plus en contact du tout? J'ai entendu que t'as une chicane, je pense que tout le monde a dit qu'il y a une chicane, vous parlez tout le temps. Il y a pas vraiment de chicane, honnêtement. Mais vous êtes plus proche. Moi, comme elle, elle habite à Los Angeles, moi j'habite à Montréal, j'y vais vraiment plus autant souvent. Arrête. Non, c'est vrai. Mais vous parlez dessus en DM. Non, c'est ça. C'est comme ça. On a juste vraiment un peu perdu contact, puis comme quand que moi je vais là-bas, la dernière fois que j'ai vu, c'était l'année passée. Sinon, quand je vais, elle est occupée, elle aussi, sa musique, tout ça, donc... C'est correct. Comment vous êtes rencontrée? C'est fou parce que quand j'avais... Ça fait longtemps, ouais, j'avais 17 ans, je la voyais souvent sur mon Instagram, puis je disais à ma mère, comme, oh mon Dieu, comme, je veux être elle, je veux être sa meilleure amie, je sais pas comment... Je veux être elle? Ouais, genre, c'était la fille la plus belle au monde dans mes yeux. Pour vrai, vraiment. Ce jour. Ouais, vraiment. Puis, 20 ans, je suis à LA, ça, donc j'ai rencontré Jack. Puis ben Jack, il était associé à l'autre Jack. Puis Jack, il sortait avec Madison. Puis on s'est rencontrés, ça l'a automatiquement cliqué. Elle m'a dit, tu viens avec moi chez nous. On habite ensemble. What? J'étais là 5 mois.
Ouais. Ok, toi, t'es vraiment une personne spontanée. Genre, j'aime ça jouer avec Ellie, genre, ouais. Mais moi, je suis allée à Ellie avec mon meilleur ami à la base. Lui, il était là pour le acting pendant un an. Puis, j'étais comme bon, je tag along. Puis, on a fait tellement plein de connexions. Wow, ok, fait que toi, ma dessin, c'est devenu genre full vite. Ouais, c'était vraiment 5 mois d'argent. Platonique, là. Intense. Few moments later. T'as une sexe. C'est la seule que j'ai mis. C'est la seule sexuelle que j'ai mis. Ferais-tu des sex tapes? J'en ai déjà fait un, je me suis fait blackmail avec. Impossible. Ouais, c'est comme ça que j'ai toute mon histoire de hacker. Puis que j'ai perdu mon compte pendant 7 ans. Impossible, attends. Ouais. T'as fait une sex tape, puis il y a quelqu'un qui t'a dit j'ai ta sex tape. Puis ouais, au début, je pensais que c'était le gars avec qui j'avais fait la sex tape, c'était mon chum de Miami. Donc je l'ai appelé, puis là j'étais comme là, c'est pas drôle. Tu devais capoter. Non, je capotais. Je suis capable d'être bien raide. Puis j'étais comme super old, arrête de me texter de la merde. C'est quand ça, hein? J'avais 23. T'as 3 ans, ok. Ouais, 23, 22. Fait que t'es fait hacker, je savais pas moi que t'es fait hacker. Ouais, je me suis fait hacker pendant 7 mois, tous mes comptes, iMessage, j'ai perdu toutes mes photos. Ça a pas sorti ta sextape là? Non, non, c'est jamais sorti. Ok. Qu'est-ce qui est plus fucked up, c'est que la personne qui m'a hacker, c'était le gars que je voyais à ce moment-là. What? J'ai fait mon sextape avec mon ex. Okay. Quelques années plus tard, je fréquentais un gars, pis ce gars-là, il a hacké tes affaires. Ouais. Parce qu'il a pogné ton sel, pis t'es. Ouais. What? J'ai un restraining order par la police. J'espère! Ah! Faites attention avec qui vous impliquez dans la vie. And you still trust boys? Yeah, I do. Pis là, il avait hacké aussi l'ordinateur de mon ex pour avoir accès à toutes les photos de moi pis mon ex. Impossible! Ouais. Puis là, lui, un tueur, c'est proche, là. Non, non, 100%. Lui a supprimé ce document-là de l'ordi à mon ex. Puis mon ex avait appelé Apple, puis il était comme, ouais, je comprends pas. Puis Apple, il était comme, je comprends pas comment ça s'est arrivé. Ouais. Quoi? Ouais. Quelle est la chose que tu trouves le plus difficile d'avoir une relation à longue distance présentement? Là, c'est maintenant que tu pleures. Je pleure. Non, mais ça va aller pour rien, t'inquiète. Peut-être, c'est bien. Je pense que c'est les moments que je veux être avec lui, mais je peux pas être avec lui. Donc, mettons un vendredi soir, je vais dans mon lit, puis je suis comme, ah, j'aimerais ça être en ce moment. Ouais, qu'il me faut. Wow! Mais pour rien, c'est justement normal, là. Ouais, ouais, mais j'adore les relations à longue distance parce que les moments passés ensemble sont beaucoup plus appréciés. Puis quand vous vous retrouvez, il y a de quoi de beau aussi, que comme on n'a plus dans les relations qu'on est tout le temps ensemble, que ça devient tellement acquis, genre. Vous, non, c'est comme, vous avez le temps de vous ennuyer, puis quand vous voyez, c'est comme, ça, c'est beau aussi. Ouais. Par contre, quand on chicane, c'est plus difficile parce que c'est comme régler les affaires face à face, c'est plus facile. Mais t'as le temps de comme te faire distance, bien. C'est comme c'est facile à laisser le temps entrer, mais ça c'est mauvais. Donc. Fait que tu trouves-tu que ça c'est pire, mettons, les chicanes ou genre tu trouves que c'est pire? Ouais, les chicanes, longue distance, c'est plus pire qu'un couple normal. Mais genre la chose que tu trouves le plus difficile de longue distance, c'est les chicanes ou genre quand tu veux l'affection, tu le veux là, mettons? L'affection, parce qu'on chicane pas souvent. Es-tu toujours sur OnlyFans? Si oui, quel genre de contenu est-ce que tu y publies? Ouais, donc j'ai OnlyFans et Playboy. Je garde vraiment ça nudité, mais très élégant. Donc tu sais, il y a vraiment une ligne très fine entre la porn trash puis porn élégant. Donc tu vas pas me voir les jambes écartées McDonald's. McDonald's, genre un M. Tu vas dire comme mon noun. Enfin, je vais manger une chatte. T'appelles ça McDonald's, j'en veux. Donnez-moi une frite. Puis dis-toi, à la fin de la journée, ma mère l'approuve. Toutes mes photos. C'est ça, ta mère? Ma mère, toi, vous avez une connexion. Ouais, ma mère, c'est ma mère amie. Mais ma mère, elle rock and roll. Tu sais, la dernière fois que j'ai fait un shoot, elle était comme. Faut que tu regardes la caméra, comme wow. Je voulais justement que t'en parles à ta mère parce que tu m'en avais parlé, puis moi, c'est ce qui m'avait le plus marqué de nos conversations. Ouais. Je trouve que c'est vraiment beau une relation comme ouais, ça. Ma mère, c'est ma sa vie. Mère, elle approuve ses photos, ses affaires, son contenu. Fait que dites-vous que c'est pas genre être écarté sur un meuble, genre, pis elle comme. Mais en même temps, elle a aucune idée des réseaux sociaux, donc. Mais c'est quand même beau, tu sais. Souvent, les commentaires des gens qui font de la nudité, c'est oh my god, tes parents doivent être fiers. Ouais. Tu comprends? Ouais. C'est souvent ça que les gens vont écrire. C'est une autre histoire. Ouais, regarde. Je pense, je sais pas s'il est vraiment au courant de ce que je fais. T'sais, t'es pas proche de ton père. Il sait que je... Non, c'est... il sait que je suis sur les réseaux, mais mettons ma mère puis ma tante, les deux savent ce que je fais. Puis là, ma tante est un peu plus crainte, mais tout le temps comme, tu sais, juste faire attention. Et ton père, il sait pas du tout ce que tu fais. Non. C'est quand même comme ça? Ouais, mais j'y parle déjà pas beaucoup, donc je vois pas le besoin. Ah, ok. J'irai pas gratter là, mais. Non, non, non. Fait on garde ça si les gens s'abonnent à ton OnlyFans, qu'est-ce qu'ils peuvent attendre? Vous allez être satisfait. Wow! Tu vas.
Fuck, Mary Kill. Oh! Oh my god, ok, vas-y. Fuck, Mary Kill entre Madison Beer, Shawn Mendes et Alice Moffat. Oh my god! Fuck Madison, marry Shawn. Je kill Alicia. Disclaimer, j'ai vraiment raconté, j'adore sa musique. I busted in my car. Écoute, c'est des choix que j'aurais pensé que t'avais fait aussi. Mais marier Shawn Mendes, over marier Madison. Mais il ressemble à mon chum. C'est vrai. Qu'est-ce que ça te fait de savoir qu'il y a des nudes de toi sur internet? Honnêtement, je suis nudiste dans la vie, tous les jours. Donc, j'ai des beaux seins, ça me dérange pas de mentir. Vraiment? C'est quoi la différence entre mes seins et tes seins? Mais c'est ça, on peut t'en parler? J'ai plus de gras. Tu vas en Europe, tu vas à la plage, tu peux te baigner tout nu à la plage. Mais on peut-tu désexualiser les seins? Tu comprends ce que je veux dire? I wish. Dernière question, et je viens de voir que la dernière question, c'est la question, la seule question de tout le plat que j'ai écrit moi-même à la main quand tout était fini, parce que je trouvais ça drôle, puis je pensais à la peigner au début pour pouvoir dire la joke. La joke tout le long. C'est un 10, mais... Tu connais ça le jeu, c'est un 10? Ouais. C'est un 10, mais... Il a un petit œil. 11. Quand il boit, il a un petit œil. Un petit œil de vitre. Parce que... 11. Comme donc qu'il était arrivé, là. Première fois qu'on est sortis ensemble, moi et Claudia, on avait ouais. Vu beaucoup. Puis, il y a quelque chose qui est arrivé. On est retourné à sa chambre d'hôtel pour juste continuer à boire le temps qu'on attend notre Uber pour se rendre au club. T'es ça, là. Puis, Rémi, on est en train de se parler. Puis là, Rémi, il fait juste commencer à me parler. Puis son œil, il ferme tout seul. Puis, genre, Rémi, qu'est-ce qui se passe avec ton œil? Puis, genre, parce que c'est mon œil de vitre. Mes amis me disent tout le temps, ça arrive de temps en temps. Je suis comme, ok. Puis elle met depuis cette maman-là. C'est... On s'en va tous les jours des photos, genre. Ouais, ça va, whatever. Tout le temps de même, genre. À toutes les collèges de jour, on s'en va des photos même sur Instagram depuis ce temps. Merci d'avoir été merci là. Merci à toi. Sur cette vidéo. Merci d'être ouverte comme ça. Merci à tout le monde d'avoir été là. Où est-ce qu'on peut te suivre? C'est quoi tes projets qui s'en viennent? Est-ce que t'as quelque chose à plugger maintenant pour les gens qui ont vraiment regardé? Autre que mon Playboy OnlyFans. Fait que je vais mettre son Playboy, son Snapchat et son Instagram dans la barre d'infos. Allez vous abonner à elle, c'est tellement une personne beaucoup plus que son physique. Mais tu me fais mourir. J'espère que tout le monde qui a regardé la vidéo va voir que t'es tellement plus que ça. Ouais, c'était vraiment personnel. J'espère sincèrement, personnellement, que tu vas commencer à montrer un peu plus ta personnalité parce que t'es vraiment une personne hors du commun. Puis, Je sais pas par où commencer, mais je comprends, mais je te le souhaite. Puis écoute, c'est un bon début. Fait que merci d'avoir été là tout le monde. Merci. J'espère que t'as eu du fun, que t'as pas été trop traumatisé. Non, mais pas. T'as répondu presque à tout. Chin chin. Cheers, ma chère. Merci beaucoup. I love you. Bye. Bye.